Ça y est, on a enfin posé. Ça fait 1h30, 2h qu'on cherche un bivouac parce que le bivouac qu'avait prévu Dan était pris par une colonie de vacances. Et c'est une grande première pour Dan. Donc on vient de galérer pendant 2 heures à chercher un bivouac. On a dû demander à quelqu'un si on pouvait se poser chez lui. Il a gentiment accepté. Et donc là, on est en train de préparer le campement. Moi je dis Chine. Eh ben, Chine. Chine. Allez. À la Savoie. Hop. Opération changement de la roue pour Dan parce que ça n'a pas marché le petit passage au garage. Ouais. Et voilà. On est à Bourg-Saint-Maurice, dans un petit garage sympa, crevaison lente, tout simplement, et donc on va essayer de repartir assez rapidement. Allez, ciao! Alors on est de nouveau sur l'autoroute, Dan a eu un petit souci avec deux de ses pneus, donc comme il n'avait qu'une seule roue de secours, bah, c'était un petit peu compliqué de continuer les pistes avec lui et de passer côté italien. Du coup, on a fini cette petite escapade savoyarde avec Dan sur un petit resto à Bourg-Saint-Maurice. Et nous, on est reparti direction l'Ardèche. Et puis, on finira sans doute dans mon montagne en Haute-Loire. Là, c'est un petit peu chaud pépito, donc on vient de descendre pour essayer d'apprécier le problème et je vais guider Fab. T'es pile devant. La frontière de l'Ardèche et de la Lozère. On a dû déjà rebrousser chemin sur un premier chemin parce qu'il y avait des marches absolument énormes et des pierres énormes et impossible de passer en 4x4. On a même croisé des marcheurs qui nous ont dit derrière vous ne passez pas. Donc là on a fait demi-tour et on enchaîne un nouveau chemin.
lumière, vas-y. Doucement. Commence à descendre tout doucement. Doucement. Pas encore. On a pris ce fameux chemin qui nous semblait un peu plus roulable, enfin carrossable. Bon, effectivement, un léger mieux, mais on a été obligé de faire un peu de franchissement. On a croisé des SSV qui nous ont dit bonne chance. Et ben, on en a eu un peu puisqu'on est passé. Et là, on voit quand même qu'on s'approche d'habitations et on est moins perdu dans la pampa. Bon bah là il va falloir ouvrir le chemin encore une fois. Je sais pas, je vais prendre la hache, la scie, on va essayer d'ouvrir pour que le 4x4 puisse passer dessous, voire l'enlever carrément. On verra bien. Voilà, je pense que ma scie va être un peu légère ouais, quand même. Bon, on a bien fait de l'acheter ce treuil. Bah attends, l'arbre n'est pas enlevé encore. Bon, malheureusement, je n'ai pas réussi à le filmer, mais il vient de péter. Allez, c'est parti pour la 20e édition de la foire du tout-terrain à Valois. Venez !